puisque vous dites n'avoir pas de leçon de démocratie à recevoir, je vais vous parler de l'article 2 de la Constitution que vous bafouez. Le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Vous êtes en train de faire exactement l'inverse alors que votre réforme des retraites, c'est tout le monde, est repoussée par l'intégralité du peuple français, 93% des actifs y sont toujours opposés. Votre stratégie depuis le début est de faire comme si nous serions passés sur cette réforme des retraites et le président nous a dit que dans 100 jours ce serait réglé. Vous voyez que les 100 jours sont 100 jours de bataille. Ce sont des batailles à la fois dans la rue et des batailles dans l'Assemblée nationale. Et je remercie le groupe Liotte de nous permettre enfin d'avoir un vote sur le sujet. Et soyez méfiants, collègues macronistes, parce que pour défendre une réforme des retraites dont personne ne veut, vous êtes en train d'abîmer les institutions de la République elle-même. Vous êtes en train de ridiculiser notre Assemblée nationale par ce qui est en train de se passer ce matin. Vous l'avez ridiculisé il y a quelques jours en nous permettant de débattre des drapeaux européens alors qu'on ne peut pas débattre de la réforme des retraites.